Paysage paradisiaque, paradis viticole et fierté locale, le Pic Saint-Loup, c'est pas seulement la garrigue et le vin, le Pic Saint-Loup, c'est aussi du live, et pas n'importe quel live. La preuve avec le festival Hortus Live, entre falaises et vignobles, qui a lieu le samedi 22 juillet, avec une très belle programmation. Pour en parler aujourd'hui, dans la Méridionale, on reçoit Yves de l'association Hortus Event. Event. Bah, c'est la French Touch. Et Yvan, programmateur du festival. Salut. Alors c'est un événement à but non lucratif, organisé par l'association caritative au profit des associations Ni Aina et les écologistes de Lozière. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce côté caritatif du festival? Alors, pour être très honnête, bon, on est associatif. Déjà, toute la difficulté, c'est de rentrer dans nos fonds. Parce qu'on fait appel à des professionnels qui, justement, nous cadrent un petit peu, parce qu'on a tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Donc déjà, la première chose, c'est de payer les artistes, de payer tout le staff qui va autour, de payer également les vignerons, parce qu'ils sont aussi excessivement sollicités. Donc, il me paraissait normal de rémunérer le fruit de leur travail. Et puis, si bénéfice il y a, et on l'espère, comme on a chacun des vies en dehors de cette association, on s'y épanouit, donc on n'a pas forcément, nous, besoin de gagner de l'argent et de partir en vacances avec. Donc, on est parti sur l'idée du caritatif. Et comme on était dans un lieu qui en effet une forte identité, on s'est dit on va faire appel à des associations qui sont locales. Et en l'occurrence, il y a donc deux associations. La première, c'est les écologistes de Lozière, qui travaillent, comme leur nom indique, au niveau de l'écologie et surtout au niveau local. Et puis on en est parti sur une autre association. Alors même si elle œuvre, même je dirais que son activité est extérieure à la région puisqu'elle s'adresse à la petite enfance à Madagascar, il n'empêche qu'elle siège au niveau du territoire du Pic Saint-Loup. Donc pour nous, c'était important de garder des associations locales. Tout simplement. Et donc, comme vous l'avez dit aussi, ce festival, c'est la rencontre de plusieurs mondes. Donc, le monde vigneron, et puis celui de la musique, de l'art, de l'architecture, de l'artisanat, mais aussi de l'innovation. Alors, comment elle se passe, cette rencontre? Est-ce que ça... Alors, en fait, c'est une histoire, donc, je vous l'ai dit, d'amitié, de gens qui viennent d'horizons différents, de par leur histoire, mais aussi de par leur métier. Donc c'est vrai, dans cette association, il y a des vignerons, on l'a dit, mais il y a aussi des gens qui sont issus du monde de la recherche, il y a aussi des artistes, notamment des photographes cinéastes, il y en a ici d'ailleurs qui nous filment, je crois. Il y a aussi le monde de l'artisanat, et donc voilà, c'est surtout une histoire de copains. Après, comment est arrivé au monde de la musique et comment on a rencontré Yvan, c'est encore une histoire d'amitié, en fait c'était de rencontres au travers d'amis et d'échanges, et puis on a eu la chance donc, de rencontrer Yvan et son équipe. Alors je me permets de le dire, Yvan, son équipe, c'est les organisateurs, enfin une partie du World Wide Festival à 7, qui eux nous ont apporté le côté professionnel au niveau de la musique. Alors je pense, Yvan peut-être dira le contraire, mais le courant est plutôt bien passé, et surtout ils nous ont permis de nous ouvrir à la fois à un monde qui pour nous était insoupçonné, notamment le réseau artistique, et puis de voir que monter ce genre d'événement, il y avait quand même une certaine organisation, et qu'il fallait avoir, qu'il fallait être un petit peu rigoureux, même si ça reste quelque chose de simple. Ne serait-ce que pour que le public parte avec un sourire, que les artistes soient heureux, que les vignerons le soient aussi, il faut le cadrer. Et ça, je dois reconnaître que sans l'aide de Yvan et de ses acolytes, ça n'aurait pas été possible. Alors pour approfondir un petit peu ce côté viticole et artisanal, comment ça se met en forme sur le festival? Il y a un marché, il y a des stands de dégustation? Non, alors toujours, alors, en fait, il y a le prix de la place, là vous arrivez, on vous accueille avec un verre, donc vous repartez un verre à la main, et là donc, vous avez accès au site et donc à presque 7 heures de musique, si je ne dis pas de bêtises, donc déjà vous pouvez profiter du lieu. À votre disposition, il y a donc un bar à vin où là vous avez des vignerons et une dizaine des vins du Pic Saint-Loup seront présents. Alors malheureusement, on ne peut pas présenter tous les vignerons du Pic Saint-Loup parce qu'il y en a une cinquantaine, même si l'idée c'est d'une année sur l'autre de changer, de tourner, que ce ne soit pas toujours les mêmes. Donc là vous avez accès au bar à vin. Ceux qui ont pour une petite fringale, on a fait appel à des food trucks extérieurs, dont le but est qu'ils aient des productions qui soient quand même assez au niveau local. Par exemple, il y aura un producteur de fromage de Sèvres. Il y aura également un ostréiculteur. Puis après, il y a des food trucks un peu plus classiques qui présentent du style hamburger, des choses comme ça. Alors maintenant, je vais me tourner vers Yvan, le programmateur du festival. Une très belle programmation, très variée cette année. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous présenter ces groupes? Après, ça diffère pas mal du World Wide. On n'est pas vraiment dans la découverte sur l'Hortus. Mais justement, comme disait Yves, c'était pérennisé l'année précédente. Et faire en sorte que les gens veulent aussi revenir. Donc, mettre des groupes sur le line-up qui disent quelque chose, enfin, dont les gens ont entendu parler, soit à la radio, soit ils ont vu en live,
et d'arriver à un line-up qui s'enchaîne bien et s'articule bien. Là, par exemple, là, moi, j'ai bloqué sur l'album de Ta Guide, de Sly, le dernier album là, qui vient de sortir sur Heavenly Sweetness. Et du coup, Eric Truffaz faisait un retour aussi cette année au niveau tournée. Les deux ont travaillé ensemble, donc ça me paraissait évident de les mettre sur la même scène pour avoir des échanges. C'est aussi ce qu'on fait sur le Worldwide, essayer d'avoir des gens qui, après, des artistes, qui ont envie aussi de faire, outre leur concert de base, collaborer et apporter quelque chose de nouveau sur scène que les gens n'ont pas vu ou pour surprendre les gens, ouais, des trucs sur lesquels les gens ne s'attendent pas, quoi. Des bonnes surprises. Et je pense que le line-up, il est un petit peu fait comme ça. Et on retrouvera également donc Nicodemus. Alors Nicodemus, je ne le connais pas, c'est un DJ new-yorkais. Ouais, en fait, je pense que tu le connais, en fait. Tout le monde le connaît, tout le monde connaît la musique de Nicodemus, mais personne le connaît, enfin, connaît son nom. Donc, Nicodemus, c'est lui qui a fait ce morceau universel qui est Miss Wing is Tropical, avec Quantic. D'accord. Voilà, c'est Nicodemus quand même qui est à la base de la production de ce morceau. Et c'est surtout, enfin, c'est un producteur incroyable. Le sosie de Nadim, ça c'est important de le dire, qui est en face et qui filme, c'est son sosie mais parfait. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Hein. Non, il y a vraiment quelque chose. Et c'est un DJ, c'est un DJ comme j'aime, c'est-à-dire qui est pas bloqué sur un style de musique, qui peut aussi bien mettre de la house que de la musique latine sans qu'on sente les changements et qu'on reste vraiment bloqué sur le dance floor. Un petit peu dans l'esprit worldwide. Ouais, un peu ouais. Mais et là, c'est vraiment le déroulé de la soirée qui fait que je sais que je suis sûr de ce que ça donne sur scène et je suis sûr de l'effet que ça va avoir sur le public de l'Ortus. On l'a vu l'année dernière où vraiment ça a dansé du début à la fin pratiquement. Et c'est ça aussi le truc, c'est que les gens vraiment passent un bon moment, que ce soit sur le domaine qu'avec la musique, en faisant les dégustations, en mangeant et en profitant du lieu qui est quand même incroyable. Et pour partager, j'aurai également un petit set de Guts, donc pour projet. Voilà, c'était un extrait de Guts qu'on peut retrouver au Ortus Live le samedi 22 juillet. Qui est un génie. Qui est un génie, c'est vrai. Non, c'est Quincy Jones français. Non, vraiment. Au niveau de ses productions, enfin, tu écoutes les albums, tu écoutes les mix. Le mec est juste incroyable. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura aussi donc Tally et Sly Johnson, donc, qui a sorti un excellent album il y a quelques mois. D'ailleurs, on en faisait gagner des vinyles, car il est partenaire de Radio Campus France. Et on va s'écouter, clore cette interview, on va s'écouter un titre que vous nous avez proposé. Mais je voulais juste revenir sur encore les à côté de la programmation musicale, puisqu'il y aura aussi des installations artistiques. Avec Sonra. C'est ça. En fait, oui, cette année, c'est un petit plus par rapport aux autres années. Alors, l'idée, c'était de... Bien sûr, la musique est un élément important de la manifestation, mais pas que, hein. On l'a dit, il y a le monde vigneron, il y a aussi le cadre. Et d'ailleurs, j'ai envie de rappeler une anecdote, moi, qui m'avait beaucoup fait sourire. C'était Nicolas, donc, un des régisseurs du Worldwide, qui travaille donc, sur cette et sur le Théâtre de la Mer, et qui disait, en découvrant le site la Vallée de l'Ortus, disait, ça, c'est le Théâtre de la Terre. Et c'est vrai que quand on arrive entre ces deux grandes falaises, celle du Pic Saint-Loup et celle de l'Ortus, on arrive dans un espèce d'amphithéâtre, et je crois que ça contribue beaucoup aussi à l'intérêt de la manifestation. Mais voilà, on ne voulait pas s'arrêter aussi à ça, et on s'est, cette année, alors, dans le cas de l'association, certains d'entre nous qui ont des sensibilités, un petit peu, on va dire, à la fois de la photo, etc., ils nous ont fait rencontrer un artiste, Sonra, qui fera une petite animation à l'entrée. C'est-à-dire qu'au moment où les gens feront la queue pour entrer, alors bien sûr une queue qu'on espère pas trop longue, voilà, ils auront le loisir de profiter. Donc Sonra nous fera une... Alors je ne connais pas trop le terme, moi je suis désolé, mais on va dire un truc en live sur un mur. Merci. On va dire ça. Très voilà. Bien. Bon, ben, merci Yvan d'être venu répondre à nos questions. Donc pour rappel, le Ortus Live, c'est le samedi 22 juillet. De 19h à 2h, l'entrée coûte 25 € et voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir et ça se passe à Val-Flonès, au Pic Saint-Loup. C'est bien ça, c'est au pied du Pic Saint-Loup côté nord, entre les falaises de l'Ortus et du Pic Saint-Loup, sur la commune de Val-Flonès. C'est un site magnifique et ça vaut vraiment le coup d'aller y faire un tour. Je propose qu'on se quitte en musique avec ce que vous nous avez proposé, Yvan, c'est... Si je ne me trompe pas, c'est la collaboration entre Taggy et... Enfin, entre Sly Johnson et Eric Truffaz. Je crois que c'est Come Together. C'est ça, on s'écoute ça. Reprise des Beatles.